Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 4 de Skyline Non mais je vous promets qu'un jour je vous dirai « Eh, cette fois-ci, c'est pas un épisode de 3 minutes et vraiment ce sera un épisode long. » Mais vas-y, je suis au début du montage, j'en sais rien si l'épisode il va être long ou non. Non mais en vrai, je sais pas pourquoi, mais là j'ai un bon pressentiment. Intro ! Eh, vous me voyez là, là, ici? Oh, Timothée, zoom un peu sur l'écran, là! Voilà, faites ce qu'il dit. C'est bon, on peut arrêter de gâcher l'intro, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, il nous reste beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or. Par conséquent, on va prendre le temps d'aller chercher quelques pommes rouges, mais comme vous pouvez le voir, le taux de drop des pommes est très, très bas. Et ça va nous prendre quelques temps. Avec des chiens? Bon bah alors je vais continuer au chien. Non mais de toute façon à chaque fois que j'ai joué avec épée c'est le furieux qui développe les pommes, c'est un truc de fou. Oui c'est vrai d'ailleurs. Il en fait drop 150. D'ailleurs je viens d'en avoir une, c'est la chance du débutant. Mais avec les chiens moi j'en ai eu zéro. Non mais je vais vous épargner ça. Les chiens ça ne drop pas, ça ne drop pas, c'est un fait. J'ai pas tout seul. Troisième chien que je casse et toujours zéro pomme. Hein. Je me suis souvenu qu'il y avait un marais pas très loin du 0-0. Je pense qu'on va aller farmer les pommes là-haut sans les chiens justement parce que ça a pas l'air de dropper. Bon, on en oublie le... Ah, mais Nems qui fait son petit carnage de son côté, hein. Il avait pas dit qu'il s'amusait à aller chasser? Si, clairement. Ici... C'est Paris. Ah, et on arrive à l'épisode 4. T'sais, j'ai toujours la petite question du jour, mesdames et messieurs, à vous poser. Alors, une petite question qui est pas très difficile, normalement, si vous êtes un minimum connaisseur. Dans Sky Defender 8... Qui s'éclate les jambes tel une grosse merde parce qu'il est extrêmement nul et qu'il est tombé du haut du château. Voilà. Ouais, ça c'est pas mon cas, j'ai une pomme là, j'attends. Et casser encore des arbres, casser en plein, comme ça on se balade juste après à la fin et on prend le maximum qu'on peut quoi. Moi bon, il m'en faut clairement 6 ou 7 là. Eh, y a des gens qui ont tenté de faire des tours pour monter ou qui sont en train de faire des tours pour monter là? C'est à l'intérieur? Ça monte pas. Hein. Oui, mais c'est... Attends, venons, on y va en silence. Ah ok, c'est déjà tombé. Et des flèches sur le côté du... Ouais. Non, par contre, niveau steak, j'en ai pas énorme. Moi j'en ai un petit peu si tu veux. Alors 3, je te dis... Non, 3 ça me suffit pas. Bon bah go alors. Là, ici. Tenez, quelqu'un veut l'enchante? Oh Nems, mais Nems qui s'arrête plus. Hein. Hello? Yo mec. Tiens, Bichard, t'es chaud ça ou pas? Ouais, vas-y. Vas-y, file le bouton rouge, j'en ai besoin moi, de type... J'ai 6 d'or encore. Parce que moi c'est pas fou, je rigole mais... Bah de toute façon, il faut pas qu'on reste en bas, sinon ils viendront jamais, hein, si on reste en bas. Bah ils viendront... on les attend en haut, puis on reste en haut, moi je m'en fous, je sais pas du tout. Faire... Bah, je connais pas, Mec, comment... on monte et on fait... on mine dedans là. Ouais. On arrive tout en bas, on fait un petit, une petite plateforme avec du verre okay. Pour les voir ouais, arriver. Go. Ok go, allez, vas-y. Go. Ah mais les mecs, attends, vous êtes allés prendre les 3 derniers Gapple là? Non, justement, mais il faut qu'il ait l'épée, faut qu'il aille les prendre, l'épée. Non. Ah bah tiens, regarde, ils sont là. Ils sont là, l'épée. Hein. T'as tes 3 Gapple. Continue, commencez à creuser, les mecs, on va faire une fake bannière. Ouais, on est en train de la faire, là. Genre, on fait une salle, tout pareil, mais en dessous. Tu sais, un truc de en dessous. Oui, non, mais oui, fais ça, hein. Ah, c'est bon, j'y suis. Ça cuit. Cette bande d'enculés. Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Tu veux pas crafter la bannière? Non, non, c'est désactivé. Oh non, merde, dommage. Bande de merde, là. Ils y ont putain, pensé. J'étais. Eh, tu sais que par contre, y'a un mec qui m'a vraiment filé une charpe 3 avec Knockback 2. On est bien d'accord. Hein. Ils sont où là par contre? On est en bas, on est en bas. Derrière l'escalier. Ah, par là, ok, c'est bon, ok. Oh, ça aurait été trop bien, putain, de faire la bannière. Oh là là. Ouais, faites bon, attention nous en sommes descendant. En état de siège. Et est-ce qu'on prépare à la limite directement tout en haut pour notre dernier carré? Tu sais, la corne. Tu sais, quand ils, juste avant comme ça, ils chargent après et genre avant ils font vas-y, que l'aube soit rouge. Et fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? T'as jamais vu Star Wars? T'as vu Star Wars? Star Wars? T'as jamais vu le Seigneur Zamo, enculé? Que très peu, quoi. Bon, c'est quoi, alors va nous faire une corne. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un mec, tu pourras faire. Non, je te le fais pas ça.
C'est comme Game of Thrones, mais en beaucoup mieux. Ouais, ça va, voilà. Ça va le jeu. Moi je suis. Tu connais l'émission Les Builders de l'Extrême? Les constructeurs de l'Extrême. Attends, les mecs! Bah, il y a les tableaux, il y a les pancartes. Pas les pancartes, les trucs qu'on met des items dedans. Ah, mais non, ok, non, c'est lui. Ah! Non, c'est qu'il est remis, ça l'a pas mis en spectateur. Non, c'est juste qu'il est remis. C'est Rocco, ça l'a remis en. C'est quoi les crafts dans Minecraft? Et c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode de Sky Defender. Comme vous pouvez le voir, on est plutôt serein, mais on n'aurait pas dû. Rendez-vous dans 2 jours pour la suite des builders de l'extrême, et cette fois-ci, vous allez voir qu'on a commis 2-3 petites erreurs. Et ces erreurs vont nous coûter très cher. N'hésitez pas à vous abonner comme d'hab, mesdames et messieurs, on se retrouve dans 2 jours pour le prochain épisode. C'était Bichard, mes chers compatriotes. Bon allez, bisous! A plus, à dans 2 jours!